Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, il est 18h à Dakar, 19h à Casablanca au Maroc, 20h à Pretoria et Kigali, 21h à Addis-Abeba. Mesdames et messieurs, merci d'avoir bien voulu nous rejoindre pour cette cérémonie de clôture de la troisième édition du Forum Galien Afrique. Cette session se déroulera en deux parties principales avec Son Excellence Madame la Ministre d'État, présidente du comité scientifique du Forum Galien Afrique, et Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. Sans plus tarder, je voudrais céder la parole au professeur Awamari Kolsek, ministre d'État auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, présidente du comité national ITIEU, présidente du comité scientifique du Forum Galien Afrique. Merci Bouba. Je pense que nous sommes maintenant, comme on dit souvent, à la dernière ligne droite. Et je voudrais dire bonjour ou bonsoir, comme vous l'avez dit, en fonction de l'heure, aux chers congressistes et à toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui ont participé vraiment au Forum Galien Afrique. Nous arrivons donc à la fin de notre troisième édition du Forum Galien Afrique et nous avons vu en 4 jours la participation de près de 3 000 personnes qui viennent de différents pays et de différents continents, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, les États-Unis d'Amérique. Je peux citer les pays de la CEDEAO, l'Angola, Madagascar, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo, l'Éthiopie, le Maroc, la Suisse, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, entre autres. Il faut dire que nous avons particulièrement été honorés de voir Monsieur le Président de la République du Sénégal ouvrir la cérémonie officielle avec à ses côtés son invité spécial qui était le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons eu l'occasion de faire le point sur différents domaines, sur différents points. La situation épidémiologique, bien sûr, de nos pays, mais également de voir quelles étaient les possibilités et la contribution de toutes ces personnes qui étaient là, à ce forum, pour pouvoir apporter notre contribution vraiment à cette riposte. Mais également des recommandations, mais aussi des leçons apprises, des pistes de recherche que nous avons eues à élaborer. Et il faut dire que nous nous sommes rendus compte que pour l'après-Covid ou éventuellement les deuxièmes vagues, il faudrait que nous renforcions le système de santé, que nous travaillions à l'intersectorialité. Tous les secteurs sont impliqués, c'est pour ça que l'on parle de One Health, qu'on insiste sur la décentralisation et l'approche communautaire, qu'on utilise la santé digitale et qu'on s'achemine vers une vraie production locale en Afrique des médicaments et des produits pharmaceutiques. Il y a eu aussi, ne l'oublions pas, un pré-forum qui était dédié aux femmes et aux jeunes et où nous avons eu vraiment à parler de leur contribution à la riposte contre la COVID-19. Cela nous a amené à réfléchir aussi et à donner à ces personnes leaders la possibilité d'apporter leur contribution. N'oublions pas que nous avons eu 200 à 250 étudiants parmi les plus brillants
ont participé à ce forum. Je voudrais, puisque je sais que au bout donc d'un forum comme celui-là qui a duré 4 jours, les gens sont fatigués, et je voudrais simplement donner la parole à mon ami Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, qui nous a apporté aussi un soutien au quotidien et qui va nous parler de l'année prochaine, parce que nous considérons qu'à partir d'aujourd'hui, on pense déjà à 2021. Bruno Cohen, vous avez la parole. Merci beaucoup. Madame la ministre d'État, cher professeur Colsec, chers amis, je ne voudrais pas commencer sans tout d'abord et à nouveau exprimer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall, le Président de la République. En effet, c'est grâce à son incroyable leadership, à son éthique de la responsabilité et à sa vision pionnière pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la planète que nous avons pu accomplir cette formidable semaine Galien-Afrique. Mais je voudrais vous remercier très sincèrement, Madame la ministre d'État, car c'est vous l'architecte de cet édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble. Vous avez en effet réussi le tour de force d'établir un programme scientifique de classe mondiale dans des conditions ultra challenging, comme l'on dit. Alors, continuez, s'il vous plaît, à nous guider, car vous avez ce talent et cette capacité de mobiliser toutes les énergies positives et toutes les bonnes volontés. À ce sujet, je voudrais aussi souligner que c'est une joie pour moi de pouvoir travailler avec toute l'équipe de Dakar, tous ceux qui ont été dans les coulisses et qui se sont consacrés nuit et jour, n'est-ce pas, Bouba, à faire de cette édition le grand succès d'audience que nous connaissons aujourd'hui. Alors, permettez-moi de les citer rapidement. Le colonel et le professeur Sec, le docteur Ba Diagaté, Sortna, Fatou, Bouba et Eli. Et aussi, je tiens à remercier Pascal, Mathieu et Jonathan qui ont suggéré avec calme et professionnalisme et maestria tous les aspects techniques de ce que j'appellerais ce voyage digital. Enfin, je n'oublie pas, bien sûr, de rappeler toute l'amitié que nous portons tous à notre ami commun Laurent Taïeb, sans qui rien n'aurait pu commencer. Maintenant, je voudrais juste rappeler ce qu'est la Fondation Galien et le prix Galien avec cette petite vidéo. The Galien Foundation fosters, recognizes, and rewards excellence in scientific innovation to improve the human condition. André Malraux said once in one of his novels, "Une vie humaine ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie humaine." Human life is worth nothing, but nothing is worth a human life. All these men and women are trying to save human lives. Is there anything more noble than that? Around the globe, the Prix Galien is considered as the equivalent of the Nobel Prize for the industry mobilizing an unrivaled network of Nobel laureates and top biomedical scientists. The Galien Foundation manages an independent, cross-functional, and geographically diverse program of events and sponsorship to brand the best of the best in new medicines and diagnostics. The Prix Galien is a welcome initiative to stimulate creative research and promote excellence. Barack Obama. The Galien Awards ceremony is considered the equivalent of the Oscars night for the innovators in the labs and awards every year the best pharmaceutical product, the best biotechnology product, the best medical technology. The Roy Vagelos Pro Bono Humanum Award for Global Health Equity is bestowed to an individual, a company, an academic institution, or a non-governmental agency that has helped to improve the human condition through the application of biopharmaceutical science to problems of developing or underserved populations worldwide. This is the right event, on the right issue, at the right time. I thank His Excellency, the President, for bringing Prix Galien to Africa, and I look forward to the day when we will celebrate an African winner of the Prix Galien. I'm particularly grateful to receive this award. The award's among the highest honors in science and commerce.
because they lead to improvement in the human condition. The Pre-Galien Awards recognize the world's brightest minds and most innovative companies. They are a true celebration of the hard work required to produce life-changing interventions. That is what makes us optimistic about the future. Congratulations to all of you. Make a difference. Join the Galien Foundation. Voilà. Alors, je voudrais également souligner que 2021 va être une année historique à bien des égards. Bien sûr, le lancement du Prix Galien Afrique, et Madame la Ministre, je vous laisserai le soin de nous donner plus de détails à ce sujet. Pour ma part, je voudrais rappeler que la remise du Prix Galien International, qui, comme vous le savez, a lieu tous les deux ans dans toutes les grandes capitales occidentales, aura désormais lieu exclusivement à Dakar et placera ainsi le Sénégal comme l'acteur incontournable sur la scène scientifique internationale. Enfin, nous célébrerons notre Golden Jubilee, c'est-à-dire 50 ans d'innovation dédiée à l'amélioration de la condition humaine. Et je voudrais partager mon écran avec vous très rapidement. Je sais que tout le monde est fatigué, mais si je la trouve. Bon, c'est pas très grave. Je l'avais il y a 2 minutes. Mais je voulais dire simplement que le cinquantenaire du Prix Galien va réunir tous les lauréats depuis 1970, tous les produits, toutes ces innovations qui ont marqué le XXe siècle et le début du XXIe siècle, et que nous allons faire participer pour le vote de savoir quelle va être la meilleure molécule ou le meilleur produit des 50 dernières années. Nous allons demander à tous les membres du jury partout dans le monde, là où est présent le Prix Galien, c'est-à-dire 17 pays, bien sûr des scientifiques de très haut niveau, des prix Nobel, des grands responsables de services hospitaliers privés, pour donner ce qu'on appelle leur top 10, c'est-à-dire pour eux les 10 meilleurs produits sur les 50 dernières années. Nous annoncerons à New York le 28 octobre 2021 ce que nous appelons la shortlist, c'est-à-dire parmi ces 250, il y a presque 300 produits d'ailleurs en compétition, les 10 meilleurs. Et cette shortlist sera présentée à New York à l'occasion du Prix Galien USA le 28 octobre. Et bien sûr, le 11 décembre 2021, nous pourrons annoncer le gagnant en présence de M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sall et bien d'autres personnalités du monde académique, privé et bien sûr le continent africain. Nous poserons la lumière sur le continent africain parce que ça donne un nouveau départ. Et tout le monde a à l'esprit maintenant la création de l'Agence africaine du médicament. C'est quelque chose d'historique qui va aussi marquer les esprits. Voilà, je ne veux pas en dire plus longtemps, pas plus, et je vous repasse la main, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Bruno Cohen. Merci pour vraiment toutes ces informations que vous donnez aux congressistes pour qu'ils puissent être avec nous l'année prochaine. Je voudrais simplement dire que la 3e édition du Forum Galien Afrique est également un moment important pour vous rappeler qu'en début d'année prochaine, nous allons faire un appel à candidature pour le Prix Galien Afrique, qui sera décerné au prochain forum, c'est-à-dire en décembre 2021. Les membres du comité, comme je l'avais dit au moment de l'ouverture, sont des personnes vraiment distinguées, des grands scientifiques, des personnes d'excellente réputation. Et donc, le comité de sélection est retenu, les membres du jury sont désignés. Je voudrais juste qu'on nous donne peut-être un aperçu de qui sont ces personnes. Madame Widet Bouchamaoui, Tunisie, lauréate du prix Nobel de la paix en 2015. Elle est chef d'entreprise et première femme présidente des organisations patronales tunisiennes. Professeur Souleymane Bou, Sénégal.
directeur exécutif de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation au Sénégal. Docteur Michel Verchour, docteur en médecine, spécialisé en dermatologie et pharmacologie clinique. Professeur Marie Taounian, Sénégal. Mathématicien, professeur titulaire de classe exceptionnelle. Il est président du conseil d'administration de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Il a été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Professeur Nicolas Méda, Burkina Faso. Médecin épidémiologiste, enseignant-chercheur. Conseiller spécial du président du Faso. Professeur Paul Lalvani, Inde. Président de Empower Group. Docteur Imboua Niava-Lucille, Côte d'Ivoire. Spécialiste en pédiatrie de santé publique. Elle est représentante résidente de l'OMS au Sénégal. Docteur Raymond Goudou-Kofi, Côte d'Ivoire. Pharmacienne biologiste. Ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Docteur John Kengasong, Cameroun. Directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Union africaine, Éthiopie. Docteur Annette Sekmiaï, Sénégal. Docteur d'État en pharmacie, diplômé en sciences sociales et en management des établissements de santé. Elle est directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Professeur Senaïd Fissea, Éthiopie. Gynécologue, spécialiste de l'endocrinologie de la reproduction, diplômée en droit de l'homme. Directrice des programmes internationaux de la Fondation Suzanne Thomson Buffett et conseillère du DG de l'OMS. Professeur Daouda Ndiaye, Sénégal. Chef du département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Conseiller spécial de l'Université Harvard de Boston, USA. Professeur Toumani Kora, Gambie. Chercheur, clinicien, spécialiste des maladies infectieuses, directeur exécutif du African Research Excellence Fund, AREF. Docteur Moredrek Chibi, République démocratique du Congo. Conseiller régional pour l'innovation au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. Docteur Amadou Alfassal, Sénégal. Virologue et docteur en santé publique. Le docteur Sall est le premier Africain directeur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Professeur Salim Safourdine Abdoul Karim, Afrique du Sud. Épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses. Professeur à l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et à l'Université Columbia aux États-Unis. Professeur Cheikh Mbow, Sénégal. Directeur de Future Africa à Pretoria en Afrique du Sud. Précédemment, directeur exécutif de START International à Washington, D.C. Docteur Eric Bodoussou, Sénégal. Président et fondateur de l'ONG Prometra International, promotion des médecines traditionnelles. Directeur du CEMETRA, Centre expérimental des médecines traditionnelles de la région de Fatick, Sénégal. Professeur Suzanne Desmond Edman, États-Unis, médecin, scientifique et philanthrope, ancienne PDG, conseillère senior de la Fondation Bill et Melinda Gates, USA. Parmi les membres du comité de sélection, le prix Galien Afrique compte Monsieur Laurent Taïeb, France. Directeur général de Prestige Communication France-Sénégal. Le professeur Papa Salif Sow, Sénégal. Spécialiste de maladies infectieuses et tropicales,
expert en Global Health Diplomacy. Madame Fall Mintoussidibé, Sénégal, docteur en droit. Monsieur Denis Broun, France, directeur de Empower Suisse. Et le professeur Ibrahim Assek, Sénégal, médecin spécialiste en santé publique, professeur titulaire des universités, chef du service de médecine préventive et de santé publique FNPO de l'université Cheikh Diop de Dakar. Donc, je voulais juste vous dire que ce comité de sélection et ce jury est pratiquement mis en place et certaines autres personnes vont peut-être nous rejoindre. Et à ce moment-là, vous aurez sans doute la liste de toutes les personnes impliquées. Mais je voudrais terminer, comme l'a dit aussi Bruno Coeb, par des remerciements. Et bien sûr, des remerciements à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais également du directeur général de l'OMS, du directeur régional de l'OMS, du CDC Afrique, qui sont vraiment, qui ont été au cœur de cette grande rencontre, à toutes les personnes qui ont eu à intervenir, notamment en tant que chair ou en tant que speakers. Mais toutes ces personnes ont reconnu la chance que nous avons d'avoir eu vraiment Son Excellence Macky Sall et le docteur Tedros de l'OMS être avec nous. Et cela vraiment a apporté un cachet particulier à notre forum. Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à Monsieur Bruno Cohen. Bruno, bon, c'est vrai qu'il faut qu'on mette les formes, donc d'habitude on est moins formel, mais je peux dire que vous êtes aujourd'hui un frère, vous faites partie de notre équipe basée au Sénégal, et vraiment merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour les conseils. À tous nos partenaires et sponsors, tels que la présidence de la République du Sénégal, Speak Up Africa, et là je m'arrêterai un peu sur Speak Up Africa qui a été un partenaire de choix, mais aussi un partenaire que l'on remercie particulièrement, la Fondation Gallien, bien sûr, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également Bioquidé Paris, Future Africa, Africa Conception Distribution, ACD, Biogen, mais également, vous savez, quand on organise cela, c'est en virtuel, mais nous avons besoin aussi parfois de se retrouver et nous avions des QG qui ont été abrités par AfriVac, mais également par l'Association des femmes médecins que je remercie. Un grand merci également à la Task Force de volontaires engagés vraiment jour et nuit et qui ont contribué fortement au succès de ce forum. J'aurais voulu citer tout le monde et j'ai même peur de le faire parce que je vais en oublier certains, notamment les membres du comité scientifique, les membres de l'équipe, qui s'occupait des étudiants. Et je voudrais quand même citer le professeur Ibrahim Assek, le docteur Seynou Badiakhate, mais également toute leur équipe, toutes les personnes, les deux Khadi, Khadi Fall, Khadi Fam, Aïda, Ibou, Laurent, bien sûr, qui a été aussi un grand supporter. Je voudrais parler aussi peut-être de Daya, de Mintou, du docteur Babou, du docteur Bodian, de Nana. Enfin, je sais que je vais sans doute oublier des gens, mais sachez que vraiment, je vous dis merci et je vous dis que je vous ai dans mon cœur parce que vous êtes, nous sommes une famille. L'équipe technique qui nous a accompagnés, particulièrement Mathieu, Pascal, Jonathan, qui ont eu leur backup au niveau du Sénégal, Bouba et Eli. L'équipe de communication, d'une manière générale, qui a été vraiment
dirigé par Bouba avec l'appui de Maïdouf. J'ai sans doute oublié des personnes. Je voudrais parler des interprètes qui nous ont été d'un grand secours, parce que vouloir faire une réunion internationale sans interprétation, c'est voué à l'échec. Donc, avoir eu des interprètes de qualité, cela également a été important et je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais remercier tout le monde. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Toutes nos excuses pour les désagréments parfois, mais sachez que nous avons voulu faire de notre mieux et que bien sûr, cette nouvelle méthode de travail est aussi parfois nouvelle pour certaines personnes. Et le virtuel a un grand avantage puisque nous avons pu joindre plus de 3000 personnes. Mais sachez qu'il y a aussi parfois des inconvénients quand on n'est pas habitué. Et je voudrais m'excuser s'il y a eu des désagréments. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la 4e édition du Forum Galien Afrique 2021. Merci et à bientôt. Au revoir.